Tony Parker a de qui tenir. Avant même de connaître la célébrité en enchaînant les victoires dans le monde du basketball, Tony Parker SR, son père, a enchaîné les contrats sportifs. Ce n'est un secret pour personne, Tony Parker a marqué le monde du basketball. En près de 20 ans de carrière, la star internationale a enchaîné les victoires et les distinctions. En 2003, il devient d'ailleurs le premier Français champion de NBA avec les Spurs de San Antonio. Trophée du meilleur joueur des finales NBA, meilleur basketteur européen de l'année FIBA Europe, All European The Player of the Year, Europlayer. Tony Parker s'est vu attribuer de nombreux prix qui récompensent son talent. Cette passion pour le basketball, le compagnon d'Alize Lim la détient de son père, Tony Parker SR. Tout comme son fils, ce dernier est un ex-basketteur professionnel. Raison pour laquelle l'acolyte de Matt Pokora a pris soin de respecter chacun de ses conseils durant sa longue carrière. Tony Parker à l'écoute des conseils de son père pour se perfectionner dans le monde du basketball. Tony Parker a beaucoup été à l'écoute de son père, notamment lorsqu'il ratait ses tirs. J'avais l'habitude de devenir fou parce que je voulais mettre tous les tirs que je voulais, ce qui est évidemment impossible. Donc c'est l'un des meilleurs conseils qu'il m'ait donné, oublie, pense seulement à l'action qui suit, passe à autre chose, parce que ce que les gens vont retenir, c'est le quatrième carton et le nom de l'équipe qui a gagné, a déclaré l'ex-époux d'Eva Longoria. Il faut dire que son père a l'expérience suffisante pour pouvoir lui prodiguer ses meilleurs conseils. Originaire de Chicago, Tony Parker SR a longtemps joué en Europe, aux Pays-Bas, Harlem, Leiden, en Belgique, Bruges, Merksem, puis en France, Denain, Dieppe, Rouen, dans les années 1970-80. Une légende du sport qui a accompagné son fils dans chacun de ses matchs jusqu'à sa retraite en 2019. Je l'ai toujours suivi, qu'importe le niveau. Je l'ai accompagné chez les poussins, les cadets, les juniors. Je me déplace à chaque championnat en tant que père, mais aussi en tant que supporter de l'équipe de France, a déclaré Tony Parker SR en 2013, auprès de BFM Télévision. Une passion qui se transmet de génération en génération chez les Parker.